This meeting is being recorded. Donc, on va donc remettre tout entre les mains du Seigneur comme d'habitude, quoi que nous fassions en parole ou en acte. Nous faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour cet autre jour que tu nous donnes encore de nous réunir en ton nom, surtout pour nous édifier. Pour nous édifier et pour nous fortifier les uns les autres, car tu nous recommandes de nous exhorter chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse de par la séduction du péché. Donne-nous, Seigneur Dieu, de grandir en parole et en acte dans tout ce que nous avons à faire encore sur cette terre. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, frères et sœurs, gloire à Dieu aujourd'hui pour ce grand jour. Et nous allons voir un thème aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème porte sur la signification. Donc, la signification du mot chrétien. Et qu'est-ce que cela signifie, le mot chrétien? Pourquoi? Parce que c'est bien important que nous comprenions ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Et nous, en rentrant dans la grâce, nous avons rencontré, on a eu à se frotter à beaucoup de mœurs. Et contrairement à ce que nous voyons, la Bible définit les choses plus clairement. Et nous devons beaucoup plus obéir à ce que la Bible dit, et à ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que la Bible nous recommande en Romains, chapitre 12, verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il est question que nous renouvelons notre intelligence jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et cela passe aussi également par la signification des mots, la définition des mots. Pourquoi justement ce thème est donné? C'est parce que nous devons savoir c'est quoi véritablement un chrétien, c'est quoi véritablement un disciple. Et nous efforcer justement à avoir ce standard de chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui a Christ. De manière plus simple, un peu, alors qu'un disciple, tout simplement, suit Christ. C'est pour ça qu'on a vu les disciples. Tous les disciples, au départ, ils avaient une profession, ils avaient quelque chose à faire, mais ils ont laissé tout cela pour suivre le Seigneur. Et en général, quand on laisse tout ce qu'on a, on laisse le monde, on laisse les gens pour suivre le Seigneur, on commence à être un disciple du Seigneur parce qu'on le suit. Le disciple suit son maître dans la discipline du maître. Mais plus tard, on est appelé à manifester les fruits, on est appelé à manifester le caractère de Christ. Et c'est à travers le caractère de Christ qu'on s'identifie aux chrétiens. Nous voyons un peu, parce que c'est à cause de ce caractère de Christ, c'est à cause du Christ en nous que nous sommes véritablement des chrétiens, parce que chrétien, ça vient de Christ. Nous voyons un peu. Alors, quand nous voyons un disciple, mais quand nous voyons les disciples, et on va voir des exemples avec notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples qui ont marché avec le Seigneur, pour la plupart, ont démissionné. Nous voyons un peu, ils ont démissionné. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui suivaient le Seigneur parce qu'il faisait les miracles, d'autres qui le suivaient à cause du pain. En fait, chaque disciple avait l'élément qui le permettait de suivre ou bien qui l'attachait au Seigneur. Tu vois un peu. Et un véritable chrétien, c'est ce disciple-là qui est accompli. Parce que normalement, nous tous, un chrétien, avant de commencer, est d'abord un disciple. Vous voyez un peu, un chrétien est d'abord un disciple, mais ce ne sont pas tous les disciples qui sont des chrétiens. Malheureusement, c'est ça. Ce ne sont pas tous les disciples qui sont des chrétiens, parce que, comme on va voir dans la parole de Dieu, il y a plusieurs qui suivent le Seigneur, mais il y a encore l'incrédulité, il y a encore le manque de foi. Or, sans la foi, la Bible le dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, même si on suit le Seigneur et qu'on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et par conséquent, on ne peut pas être un vrai chrétien lorsqu'on n'a pas de foi. C'est ce que nous voyons un peu. Donc, c'est bien important de cerner ces deux notions sur la signification du mot chrétien. Et ça nous permettra, dans un premier temps, pour nous, de nous efforcer à marcher dans ce standard de chrétien. Parce que, comme je dis, ça, ce sont les enseignements qui nous permet de nous éprouver, de jauger notre niveau spirituel et nous améliorer pour aller de l'avant. Donc, on va aller dans Actes chapitre 11. Ça, c'est le texte de base. Actes chapitre 11.
partir du verset 19. Maintenant, ce texte de base, pour voir la signification du mot chrétien. Pourquoi est-ce qu'on peut appeler normalement telle personne chrétien? Parce qu'aujourd'hui, c'est la confusion totale. Donc, Actes chapitre 11, à partir du verset 19, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il faut bien qu'on comprenne que, en fait, tous ceux qui avaient été dispersés, il y avait un groupe qui avait, il y avait ces gens-là qui annonçaient la parole seulement aux Juifs. Et verset 20, il y eut cependant parmi eux, vous voyez un peu, ce n'était pas tout le monde qui se limitait à ce genre d'évangélisation, mais ce n'est pas tout le monde qui se limitait à évangéliser seulement les Juifs. Mais la Bible mentionne au verset 20 qu'il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et pourquoi est-ce que la main du Seigneur était avec ces gens? C'est parce que Dieu était en train de confirmer l'authenticité de sa parole. Dieu était en train de confirmer la puissance de sa parole. Parce qu'en fait, quand nous cheminons avec Dieu, l'une des façons, l'une des manières pour Dieu de confirmer la parole qui sort de nos bouches, il le confirme avec... soit en opérant des miracles, soit en opérant des guérisons, soit en délivrant les uns les autres du péché. Vous voyez un peu, voilà comment, déjà, la plus grande délivrance telle que nous connaissons aujourd'hui, c'est la délivrance du péché. Ça, c'est la plus grosse, la plus grande délivrance. Ça sert à quoi d'avoir prêché la parole de Dieu aux gens, prêché la parole de Dieu aux enfants de Dieu et qu'ils restent chaque jour dans leur péché. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la prédication. C'est pour ça que même dans la prédication, des fois, on est obligé d'aller un peu plus loin jusqu'à doigter le péché. Parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens surtout, on fait chacun sa définition du péché. Or, normalement, cela ne devrait pas être ainsi. Nous devons tous définir le péché de la même façon, de la même manière. Hein, voyons un peu, on ne peut pas dire qu'on travaille, on regarde dans la même direction. X trouve que non, le péché... c'est seulement dans le cœur, tandis que l'autre trouve que non, le péché, ce n'est pas seulement dans le cœur, comme les gens pensent, mais c'est aussi également à l'extérieur. On peut pécher aussi également sous la forme extérieure. Donc, nous devons tous avoir la même définition du péché pour qu'on puisse normalement vivre, pour qu'on puisse combattre efficacement l'ennemi ensemble. Verset 28. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester autant pour moi, d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'est bien important ce que Barnabas a recommandé ici à ses chrétiens, de rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il y a beaucoup de précisions juste dans cette phrase, à savoir, nous devons rester d'un cœur ferme. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui est au centre, ça ne sert à rien. Parce que nous voyons un peu, plusieurs peuvent rester fermes, mais attachés à autre chose, attachés au levain des pharisiens, rester fermes et attachés à un autre levain, ou bien, je voulais dire levain des pharisiens, attachés aux idoles ou attachés à autre chose que Jésus-Christ. Donc, comprenons que notre fermeté n'a de sens que s'il est véritablement attaché, ou bien s'il est véritablement, je vous l'ai dit, encadré par la parole de Dieu, ou bien s'il est véritablement guidé par le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs qui sont fermes. Mais ils sont fermes dans quoi? Il y a plusieurs chrétiens qui sont fermes dans leur résolution de vivre dans le péché, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont déjà conçu la grâce comme une permission de péché. Et ils sont fermes là-dedans. C'est qu'ils ne veulent pas admettre un instant, soit peu, que c'est qu'ils sont dans l'erreur.
Mais ils sont fermes, ils sont là-dedans. Et on voit qu'ils ne sont pas attachés au Seigneur. C'est donc tenter de sortir ici la différence. Vous voyez un peu que le tout n'est pas de rester d'un cœur ferme, mais attaché au Seigneur. Parce que si on enlève attaché au Seigneur, ce verset n'a plus de sens. Il n'a plus de sens. C'est pour ça qu'il y a plusieurs qui sont dans les églises ou dans certaines assemblées, même les assemblées des maisons. Parce que de plus en plus, la séduction, ce n'est pas toujours dans les églises bâtiments. Non. Bien au contraire, c'est même aussi également dans les assemblées des maisons. Parce qu'il y a plusieurs qui se réunissent dans les maisons, mais le concept, c'est encore le bâtiment. C'est ça qui est dangereux. Donc, nous devons, même si on se réunit dans les maisons, on doit garder le principe, le fondamental, la fondation de la parole de Dieu. C'est ça qui est important, cette fondation. Donc, ça sert à quoi de se réunir peut-être dans les maisons et transporter l'esprit des bâtiments dans les maisons? Non, ça ne servira à rien. Donc, comprenons qu'on doit rester ferme, d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, pas de Barnabas, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit. Il y a un détail ici qu'on doit souligner. La Bible parle d'un homme d'Esprit Saint et de foi. Et on continue, le verset continue en disant ceci. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il faut bien voir que les véritables serviteurs de Dieu ne prêchaient pas eux-mêmes. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on voit très souvent des foules nombreuses qui viennent et qui suivent l'homme. Alors, vous voyez un peu la pression de ce verset. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ça veut dire que c'était ça leur prédication. Ils prêchaient le salut en Jésus-Christ. Ils demandaient aux hommes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de ne pas les suivre. Parce que nous voyons la différence. Très souvent, nous voyons des foules nombreuses, mais ils suivent les hommes. Ils suivent les hommes. C'est parce que ces hommes donnent des prédications qui donnent lieu à ces foules de les suivre. Ou bien, ces hommes, entre guillemets, prêchent eux-mêmes. Nous voyons un peu. Donc, c'est bien important que nous voyons ce détail parce que la Bible dit que c'était un homme, Barnabas, nous voyons aussi, d'Esprit Saint et de foi. Et c'est ça. Et cette foi l'a mené à prêcher l'Évangile, d'amener les âmes à suivre le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a cette précision. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, dans le mot chrétien d'aujourd'hui, voici là où son origine est tirée. C'est pour la première fois, c'est à Antioche, que les disciples furent appelés chrétiens. Et ce n'est pas pour rien. Appeler les disciples, déjà, on voit, ce n'est pas n'importe qui a été appelé chrétien. Les disciples, c'est-à-dire les gens qui ont suivi le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur. Parce que nous voyons un peu, ce n'était pas n'importe qui a été appelé chrétien. Ce n'était pas des ambulants, des gens qui déambulaient dans les carrefours qu'on appelait chrétiens, non. Ça veut dire quelque part que les fruits, eh bien, leur fruit était manifeste. Leur fruit était manifeste. La preuve en est que souvent, lorsqu'on voit quelqu'un agir bizarrement dans la rue, n'est-ce pas, on dit souvent que cette personne, on va dire celui-là, vraiment, il agit comme un fou. Pourquoi est-ce qu'on déduit que cette personne agit comme un fou ou bien comme une folle? C'est à cause de sa manière, de sa gestuelle. Une personne qui parle seule, qui tape des poings sur la table. On ne l'a rien dit, il se met à crier. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais celui-là, est-ce qu'il est fou? Et c'est la même chose avec les chrétiens. Ceux qui sont allés, ils disent, mais attends, ces disciples-là, vraiment, ils ont la sémence de Christ. Certainement, sont des chrétiens. Est-ce que nous voyons un peu? C'est bien important de comprendre ceci, que chrétien aujourd'hui, c'est un nom qui vient de Christ. Donc, voici le texte principal où nous voyons là où le mot chrétien est sorti pour la première fois.
Et pour ce fait, on va développer deux notions. En fait, on va développer d'abord la notion de disciple. Comme je disais dans l'introduction, un disciple, c'est celui-là qui a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Mais comme je disais encore une fois de plus, un chrétien, c'est un disciple accompli dans la discipline de Dieu. Voyez un peu, parce qu'il y a des disciples, comme on va voir, parce que quand on est disciple, ça veut dire qu'on est là dans la marche, on est appelé à être discipliné, on est là pour suivre la discipline du Seigneur. Mais il y a du chemin encore pour être des chrétiens, parce que normalement, ça devrait normalement être un mot qu'on ne prononce pas n'importe comment chrétien. Mais à cause des prophéties comme le Seigneur a données, il s'élèvera des faux Christ. Voyons un peu. Normalement, si on appelle quelqu'un chrétien et qui n'a pas les fruits de Christ en lui, mais les fruits de la vie de Christ dans sa vie, c'est tout simplement un faux chrétien. Il n'y a pas d'autre chose. Tout simplement un faux chrétien. Parce que le vrai chrétien, c'est celui-là qui a la vie de Christ. Donc, on va rentrer dans la notion de disciple. Allons dans Marc chapitre 15, comme je disais tantôt. Parce que pour devenir chrétien, n'oublions pas, on passe par disciple. On ne peut pas devenir. C'est pour ça que ce sont les disciples qu'on a appelés chrétiens. Est-ce que nous voyons ceci? Ce sont les disciples qu'on a appelés chrétiens. Donc, c'est pour dire que pour arriver à chrétien, il faut d'abord être un disciple et un vrai disciple. Je dirais normalement un disciple qui atteigne le niveau d'esclave. C'est la même chose. Parce que quand le disciple devient déjà un esclave de son maître, de Jésus-Christ, alors il devient un chrétien. Voyons un peu. Parce que quand nous voyons l'esclave fait exactement ce que son maître lui dit. Matthieu chapitre 13, frères et sœurs. Non, commençons d'abord par Matthieu chapitre 15. On va voir ce que c'est qu'un disciple. Quand je parlais de la marche. Et je parlais aussi également du renouvellement de l'intelligence. Parce que tous ceux qui laissent leur vie, qui laissent tout derrière eux, ne sont pas encore pleinement disciplinés comme le Seigneur veut. C'est pour ça que ces exemples, ce que nous allons voir, ce sont les failles qu'on peut voir, qu'on peut remarquer et qui sont tout à fait normales parce que quand nous suivons le Seigneur, nous sommes appelés à nous perfectionner. C'est pour ça que nous sommes là en train de suivre le Seigneur, mais le but de cet enseignement, c'est que nous devons aller de l'avant. Ouais, on peut ne pas être au niveau de ces disciples, ce que nous sommes en train de voir, ou bien de ce genre de disciples, sans foi, sans discipline, sans crainte, mais nous devons être des disciples accomplis dans la vérité, dans la parole de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 14, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait des pharisiens. Voyez un peu, il parlait des pharisiens. Il a demandé de se méfier du levain des pharisiens. Voyez un peu. Et au verset 14, Matthieu chapitre 15, verset 14, laissez-les, c'est-à-dire, il s'agit des pharisiens. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Donc, nous connaissons tous pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus les a confrontés, a parlé ainsi à ses disciples. Parce que il voulait les mettre en garde par rapport au levain des pharisiens. C'est-à-dire ces pharisiens qui trouvaient toujours un problème. Il fallait se laver les mains avant de manger. Il faisait attention à tout ce qui est extérieur. On va dire ça comme ça. Tout ce qui est extérieur, il ne faisait pas attention à ce qui est intérieur. Et le Seigneur était en train de les expliquer c'est quoi. Et c'est pour ça que on continue au verset 18. En continuant au verset 18, le Seigneur leur fait comprendre ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors, nous voyons ici que un disciple, ou bien les disciples, en suivant le maître, c'est tout à fait normal qu'il y ait
en fait, c'est faille. C'est pour ça que le maître était parmi eux, les reprenant, les reprochant. Et ça montre aussi également que le Seigneur Jésus-Christ était patient et que les véritables disciples ont eu aussi quelque part à, on va dire ça, ils ont eu quelque part à supporter la dureté de notre Seigneur, parce que notre Seigneur était aussi également Dieu. Et c'est l'image de la parole de Dieu. La Bible dit que notre Seigneur Jésus, que c'est la parole de Dieu. Donc souvent, quand cette parole-là vient nous briser, ne refusons jamais ce brisement. Ne refusons jamais le brisement de la parole de Dieu, parce que cette parole est là pour nous mouler. Et c'est le chemin pour devenir un vrai chrétien plus tard. Parce qu'un disciple qui ne supporte pas les paroles dures, on va voir ça par la suite, c'est que ça donne. Ça donne des disciples qui vont déserter, bien des disciples déserteurs qui deviennent plus tard les instruments de Satan. Donc, normalement, quand nous supportons la dureté de la parole, cette parole finit par nous transformer. Donc, nous devons vraiment accepter cette parole avec toute sa dureté. Donc, le Seigneur s'adressait ainsi à ses disciples, c'est-à-dire de ceux qui suivaient le Seigneur. Mais on va voir, les choses vont progressivement parce que à ce niveau, nous voyons, il y a encore des lacunes sur la compréhension des Écritures, sur la mise en pratique des Écritures. C'est pour ça que le Seigneur continue de s'aimer. Voyez un peu. Il ne sème pas à l'extérieur, il sème au milieu de ses disciples. Ce n'est pas pour rien qu'il enseignait ses disciples. À la foule, il parlait en parabole. Mais il enseignait les paraboles, ou bien il expliquait autant pour moi les paraboles à ses disciples. Donc, allons aussi dans Jean chapitre 6, on va voir un grand détail par rapport aux disciples. Quand je parlais tantôt de demeurer des vrais disciples attachés à la discipline du maître et supporter les paroles dures. Parce que comme je disais tantôt, il y a plusieurs disciples. D'autres suivaient le Seigneur pour les miracles. Voyons, d'autres suivaient le Seigneur pour les miracles, mais nous ne devons pas suivre le Seigneur pour la nourriture qui périt. Donc, Jean chapitre 6, à partir du verset 11, on prend ce premier coupon, à partir du verset 11. Et ça, c'est le genre de disciple qu'il ne faut pas être. Voyons un peu. Il ne faut pas être ce genre de disciple en passant. Dans cet exemple-ci que, justement, nous sommes en train de vouloir, que nous allons découvrir autant pour moi ensemble. Il ne faut pas être ce genre de disciple. Donc, Jésus, Jean chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, pendant que le Seigneur marchait toujours avec les disciples, c'est normal, c'est la base. On ne peut pas marcher avec une personne avec laquelle on n'a pas le même esprit. Donc, ou bien avec qui on ne voit pas dans la même direction. Il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassaient donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, ces gens, ils avaient le regard fixé sur les miracles, voyez un peu, et c'est pour dire que quoi? Ce miracle de pain, c'est ça qui les captivait. Voyez un peu, c'est ce miracle de pain qui les captivait. Ce n'était pas vraiment la parole ou ce n'était pas vraiment l'évangile que le Seigneur apportait. C'est pour ça qu'il y a cette précision. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, Jésus avait fait quel miracle en passant? C'était multiplier les pains, si nous voyons un peu. Il y a beaucoup de disciples. C'est l'image des disciples aujourd'hui qui suivent le Seigneur pour les soi-disant miracles, qui veulent se servir du Seigneur pour résoudre les problèmes.
Un peu. Et c'est justement parce qu'ils ont vu le pain, ils ont mangé du pain, qu'ils ont dit non, celui-là, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Un peu. Et comme il y a plusieurs qui pensent que le Seigneur est simplement là pour résoudre les problèmes charnels, il y a plusieurs personnes que pour eux, Jésus-Christ, notre Seigneur, est seulement là pour résoudre les problèmes charnels. Il est là pour empêcher la souffrance. Il est là pour empêcher les famines. Et voilà, il y a beaucoup de disciples comme cela aujourd'hui dans le corps de Christ. Que eux, ils suivent le Seigneur, ils s'appliquent dans leur foi parce que quelque part, ils veulent calmer leur famine. Ou un peu leur famine charnelle, bien sûr. On précise bien sur le plan charnel. Parce que c'est sur le pain, bien c'est sur le miracle des pains que ces gens, que ces disciples avaient, soi-disant, ces gens avaient fondé leur foi. Donc, ça, c'était le premier exemple. Allons donc aussi, toujours dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, allons à partir du verset 60. Ouais, un peu. Allons à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, il s'agit des disciples du Seigneur, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, le Seigneur a eu à enseigner sur le pain qu'il représentait, sur la nécessité à ses disciples de consommer de ce pain pour avoir la vie, sur la nécessité de manger son corps, manger sa chair. Et plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et verset 63, le Seigneur dit ceci, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, le Seigneur est en train de les canaliser, de les donner les véritables significations des paroles qu'il a eu à les donner. Que c'est spirituel qu'on peut comprendre cela. Ce n'est pas charnel. Il ne s'agissait pas de transformer ses disciples en cannibales, en mangeurs de chair humaine, mais le Seigneur parlait ici de son corps que nous prenons en mémoire de lui, parler de son corps. Et c'est pour ça que le Seigneur a bien précisé que ses paroles sont esprit et vie. Alors, un autre détail qu'on peut comprendre par là, c'est que la parole de Dieu que nous lisons, c'est la vie. Et c'est aussi également l'esprit de Dieu. C'est pour dire que si nous croyons à cette parole, elle nous apporte la vie. Si on ne croit pas à cette parole, on connaît ce que ça nous apporte. Voyons un peu. Si on veut la vie, si on aime la vie, nous devons croire à la parole de Dieu. Donc, toujours dans le volet disciples, verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il s'agit ici des disciples. Nous sommes toujours en train de voir les disciples qui ne croient point. Donc, parmi les disciples, il y en a des bons, ou un peu ceux qui vont rester attachés jusqu'à la fin, mais aussi également, il y en a des mauvais. Mais plus tard, quels sont ceux qui vont devenir des chrétiens? Ce sont des disciples qui vont persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Parce que n'oublions pas ceci, dans la foi, quand nous nous convertissons, je vais utiliser plutôt l'expression, se convertir. Quand nous nous convertissons au Seigneur, qu'on abandonne l'ancienne vie qu'on avait, le cœur du chrétien à ce moment est vide. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que on a décidé de tout laisser, ça veut dire que le cœur est vide. Alors, le cœur là qui est vide a besoin d'être remplacé par la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Voici la séduction actuelle. C'est que plusieurs pensent qu'il suffit de se convertir de fait.
comme cela, pour que tout soit OK. Or, ce n'est pas ça. On se convertit, mais la deuxième étape, il faut remplir le cœur. C'est-à-dire que c'est comme un seau ou un vase qu'on a vidé de son contenu, mais on n'a pas vidé le contenu du vase pour que le vase reste assez vite. Parce que la nature en a horreur. Comme on a très souvent dit, la nature a tellement horreur du vide. Donc, si on s'est débarrassé des péchés anciens, si on s'est débarrassé du joug ancien, on s'est débarrassé de tout genre de péchés qu'on avait auparavant. En fait, la deuxième chose à faire, c'est de le remplir. Parce que si on ne s'efforce pas à remplir cela avec la parole de Christ, avec la parole de Dieu, on connaît ce qui va se passer. Voyez un peu, c'est Satan qui va le remplir. Et c'est Satan qui le remplit. Ce chrétien va retourner encore à la case des pâques. Sa condition sera encore pire. Et c'est pour ça que nous méditons dans cette parole. Et c'est pour ça que le Seigneur les enseignait, les nourrissait avec la parole de Dieu. Ouais, un peu. Et les miracles des pains, des poissons que nous avons vus tantôt, c'est pour nous enseigner la charité. Le Seigneur voulait tout simplement faire comprendre à ses disciples que je ne donne pas que la nourriture spirituelle. Si je suis devant une âme qui a faim, je veux lui donner du pain. Parce que vous voyez un peu le message. Même comme il y a certains, quand ils voient comme ça, ils disent que oh, vraiment, on reconnaît vraiment que tu es le roi. Et regardons comment le Seigneur fuit. Parce que si le Seigneur fuit, c'est parce que ce n'était pas bon. C'est clair. Si le Seigneur fuit, c'est parce qu'il voulait. Ces gens avaient des. En fait, ils voulaient agir à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a fui. Il a fui. Parce que, pour eux, comme ils ont vu le miracle du pain, miracle de la nourriture, c'est comme un serviteur de Dieu qui arrive aujourd'hui, il fait des miracles, la nourriture tombe de gauche à droite. On commence à dire, ah, celui-là, ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Or, depuis qu'il prêche la parole de Dieu, la repentance, la sanctification, personne, tout le monde reste sur la bouche B. Maintenant, quand il distribue les pains, il distribue la nourriture, on dit, ah, celui-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et maintenant, à ce moment, on veut le faire roi. S'il ne fuit pas, il sera en train de participer à leur péché. Est-ce que vous voyez un peu? S'il ne fuit pas, il sera en train de participer. Parce qu'à ce moment, on veut, en fait, l'élever dans une position où il ne faut pas. Où il ne faut pas. Parce que l'élévation que le Seigneur Jésus-Christ avait besoin, c'était l'élévation de son Père, de notre Dieu. Et nous tous, l'élévation que nous avons besoin, c'est l'élévation qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'élévation qui vient des hommes. On n'a pas besoin que les hommes nous élèvent. C'est pour ça qu'il a fui. Est-ce que vous voyez un peu? Il a fui. Il n'a pas fui pour rien. Il a fui parce que ce n'était pas bon. Donc, verset 64, dans 65, dans 64, terminons verset 64, s'il vous plaît. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Donc, comprenons encore une fois de plus, Judas était disciple. Il savait que... Et c'est là que nous comprenons vraiment l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas facile de marcher avec quelqu'un sachant que cette personne va nous livrer. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire de savoir que c'est elle qui va me livrer, mais je l'accepte à mes côtés. Si on veut comprendre la soumission, voilà une soumission. Le Seigneur Jésus-Christ n'acceptait pas Judas à ses côtés, quelque part parce que ça le plaisait tant. Mais parce qu'il se soumettait autant pour moi à la volonté de Dieu. Il se soumettait à la volonté de Dieu. Un autre serviteur de Dieu aujourd'hui aurait tiré vengeance de Judas. Il aurait même déjà lapidé depuis, il aurait chassé depuis. Il savait que Judas devait le livrer. Mais Judas était toujours là à côté. Il le savait. Et c'est ça, être soumis à la volonté de Dieu. Quand on est soumis à la volonté de Dieu, notre volonté ne compte plus. Et le Seigneur nous a beaucoup enseigné, beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigné sur la soumission. Et un véritable chrétien, il est soumis à la volonté de Dieu. Soumis à la volonté de Christ.
Donc, verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, verset 65, c'était le verset 65. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples. Donc, voici un verset où nous voyons que la marche chrétienne n'est pas facile. Et ce sont les disciples du Seigneur qui se retirent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce que nous voyons ceci. Au départ, ils étaient nombreux. Ceci nous montre que le Seigneur ne prêchait pas pour attirer la foule. Ceci nous montre que le Seigneur ne recherchait pas les disciples pour les... C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin que les gens le suivent à tort à travers. Le Seigneur n'avait pas besoin de ça. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ça sert à quoi de marcher avec des soi-disant chrétiens qui ne veulent pas renouveler l'intelligence. Voyons un peu, c'est pour ça que le Seigneur, en donnant des paroles dures, il y a plusieurs qui ont reconnu qu'ils n'étaient pas au bon endroit, qu'ils s'étaient égarés. Parce que la marche chrétienne, elle est longue. Il y a les disciples qui, après un mois, ils s'en vont. D'autres disciples, après deux mois, ils s'en vont. D'autres, après 10 ans, ils s'en vont. D'autres, après 15 ans, ils s'en vont. D'autres, après 30 ans, ils s'en vont. C'est pour cela que la Bible dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que un chrétien qui a Christ en lui persévère dans la parole de Dieu, continue sans cesse de porter du fruit et manifeste Christ dans sa vie. Parce que si, qu'est-ce que nous voyons? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, c'est le verset 67 ici qui est vraiment où nous comprenons que la parole de Dieu, ce n'est pas le bonbon, ce n'est pas le chocolat. Et si c'était aujourd'hui, quand nous voyons les soi-disant pasteurs, quand il y a des gens qui s'en vont de leur église, quand il y a des gens qui partent, ou bien quand il y a un frère qui perd les autres frères, souvent la chair veut venir en renfort. Nous devons comprendre que la foi dans laquelle nous sommes, c'est Jésus-Christ qui est le capitaine du bateau. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le pilote. Et en tant que pilote, tous ceux qu'il a choisis, eh bien, tous ceux qu'il a élus, ces gens-là vont rester. Maintenant, verset 67, Jésus dit donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Si nous voyons un peu, le Seigneur pouvait dire, « Ah, vraiment, pourquoi vous allez? Revenez. » Pourquoi est-ce que le Seigneur a posé cette question aux disciples? Le Seigneur sait que la voie qui mène au ciel, elle est étroite et resserrée. Et cette question était quelque part pour les éprouver dans la foi. Pour les éprouver. Et pour nous faire comprendre qu'on ne suit pas le Seigneur tout simplement parce qu'on calcule ce qui est bien, on calcule ce qui plaît à la chair, tout simplement. On calcule ce qui plaît à la chair. Et c'est la réponse de Pierre qui nous montre, en fait, ce que normalement, nous, on a besoin pour grandir. Ce que nous, on a besoin pour que Christ soit formé en nous. Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Parce que nous voyons un peu, les paroles de la vie éternelle, et ce sont ces paroles que nous avons besoin pour y arriver. On veut la vie éternelle. Nous tous, nous voulons la vie éternelle. Alors nous avons besoin des paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru
et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, un vrai disciple, lors des persécutions, il tient. Et nous tous, nous avons le témoignage de Christ. Et très souvent, ça, nous avons le témoignage de Christ dans nos vies. Les vrais disciples ne fuient pas à la moindre persécution, à la moindre épreuve, à la moindre difficulté. Le vrai disciple n'abandonne pas le champ de bataille et s'en va. Le vrai disciple est celui-là qui reste avec le maître, qui demeure avec le maître. Et ce maître, c'est Jésus, notre Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Les disciples qui n'avaient pas en eux Christ. Donc, Christ n'était pas encore formé en eux. Ils sont partis. Parce que la réponse de Pierre ici montre la semence de Christ dans le cœur. C'est pour ça qu'à un moment donné, la foi que nous avons doit à un moment donné pousser. Ça doit donner des racines. Parce que ce sont les racines qui permettent à l'arbre d'avoir toute sa force. Parce que les racines vont aussi également chercher la nourriture dans le sol. Parce que le rôle des racines, c'est quoi? C'est d'aller chercher la nourriture pour l'arbre. Et c'est pour ça que quand nous voyons les grands arbres là, les racines sont tellement profondes, ça va à des centaines de mètres du sol, les racines. C'est pour aller chercher de la nourriture pour l'arbre. Et c'est bien important que nous comprenions cette notion de disciple. Et nous avons vu qu'il y avait deux catégories ici. Ces disciples qui n'avaient pas encore Christ en eux, ou bien que la parole de Dieu n'était pas encore véritablement formée en eux, ils sont partis. Parce que n'oublions pas, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il va falloir entrer dans le royaume de Dieu. Pas beaucoup de tribulations. Donc, et les tribulations, c'est de manière échelonnée. Échelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a des disciples que un mois, ils sont partis. Ce n'est pas parce que d'autres sont là qu'ils ne vont pas partir. Voyez un peu, la marche est longue. C'est pour ça que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et reconnaître que la marche est longue. Et maintenant, donc, l'une des choses qui peut nous aider à persévérer jusqu'à la fin, c'est de nous efforcer à être non seulement fidèles à Dieu, mais aussi également à mettre sa parole en pratique. Parce que quand on ne met pas la parole en pratique, qu'est-ce qui se passe spirituellement parlant? On s'expose au refroidissement. On s'expose au sommeil spirituel. Est-ce que nous voyons un peu? Voilà à quoi on s'expose quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Or, quand on met la parole de Dieu en pratique, ça nous réchauffe, ça nous donne le courage d'aller de l'avant. Voyez un peu. Plus on mange, plus on grandit. Plus on mange, plus on grandit. C'est pour ça que même sur le plan physique, on mange chaque jour. Si on ne mangerait pas, à un moment donné, on devait devenir chétif et à un moment donné, on devait mourir. Est-ce que nous voyons un peu? C'est le même principe avec la parole de Dieu. Un chrétien ou un disciple qui se nourrit par la parole de Dieu, c'est le même principe. Il va finir par mourir. Il finira par mourir à coup sûr. Donc, on n'a pas le choix de se nourrir constamment de cette parole. Si on veut vivre, si on veut grandir, nous voyons un peu. Nous tous, on n'est pas nés comme on était, comme nous sommes aujourd'hui. On a été enfant, bébé. On a tété le lait. Et aujourd'hui, elles sont peut-être encore le lait. On ne tète plus du lait. Pourquoi pensons-nous que dans le Seigneur, c'est différent? Dieu a utilisé ces choses. Dieu nous montre ces choses au quotidien pour nous enseigner que sur le plan spirituel, c'est aussi également la même chose. Et regardons les difficultés, comment ça a évolué. Quand on était tout bébé, le problème d'un enfant, c'est d'avoir son lait. Un point très. Quand l'enfant pleure, il veut le lait. Il ne veut pas autre chose. Il pleure, il veut le lait. En général, c'est ce qu'il lui veut. Maintenant donc, quand on grandit, on est à la maternelle, école primaire, on veut manger, on veut les biscuits, on veut les bonbons. Au fur et à mesure, on évolue. Quand on devient parent, les problèmes changent. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut forcément les biscuits et les bonbons? Nos problèmes aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe des enfants, il faut qu'on s'occupe des autres. Si nous voyons un peu, regardons comment ça a changé. Et c'est la même chose avec nous dans le Seigneur. Il y a les chrétiens qui sont venus dans le Seigneur, dans la foi. Leur problème, ou bien leur difficulté, leur foi, c'était sur le fait que, « Ah, Seigneur, si tu me donnes le travail, vraiment, je serais heureux, ou une femme heureuse. » Ils ont eu le travail. Et il y a plusieurs qui sont demeurés là-dedans. Ça dit, ça devient
comme, c'est pas, ils ont pris ça comme, on va dire ça, comme le centre de leur foi, avoir tout simplement la nourriture physique. Or, moi, je me rappelle à l'époque, quand moi, je croyais au Seigneur, je croyais au Seigneur pour les choses matérielles, je ne vais pas vous le cacher, je croyais au Seigneur pour les choses matérielles. Mais ça avait le temps que j'ai compris que on ne suit pas le Seigneur seulement pour le matériel. On ne suit pas le Seigneur pour le matériel. Pas seulement, qu'on ne suit même pas le Seigneur pour le matériel. Mais à l'époque, quelqu'un ne pouvait pas me dire le contraire. Que non, le Seigneur, il bénit, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Mais on ne suit pas le Seigneur pour le matériel. On suit le Seigneur parce qu'on veut mener une vie saine, parce qu'on veut, en fait, avoir, on va dire, partager cette paix-là, cette joie-là avec le Seigneur. Voilà pourquoi est-ce qu'on suit le Seigneur. Et c'est lorsqu'on a compris la mission du Seigneur, on a compris notre mission, qu'on peut comprendre ce genre de choses. Plusieurs qui n'ont pas encore compris, on suit le Seigneur pour les visas, pour les passeports, pour le mariage, hein, pour les enfants. Il y a plusieurs qui sont là, ils prient matin, midi, soir, ils cherchent des enfants. On commence par dire qu'on ne peut plus prier si on a besoin de, si on veut un enfant. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça ne va pas être l'élément qui conditionne notre foi. Que s'il n'y a pas l'enfant, on ne sert plus Dieu. S'il n'y a pas des choses, on ne sert plus Dieu. Nous devons savoir pourquoi nous suivons le Seigneur. Comme Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce sont les paroles de la vie éternelle qui nous intéressent. Ou ce sont les choses de cette terre. Ou c'est le mari. Ou c'est la femme. Ce sont les enfants. À un moment donné, il faut choisir. Et Dieu a fait les choses à telle enseigne que quand nous recherchons ce qui est élevé, automatiquement ce qui est plus bas est à notre portée. C'est automatique. Et c'est comme ça que Dieu nous enseigne la parole. Il ne voudrait pas que les enfants recherchent les choses de cette terre. Le Seigneur dit, élevez-vous, recherchez ce qui est en haut, recherchez, recherchez. Souvent, il y a des chrétiens qui pensent que quand Dieu dit recherchez ce qui est en haut, on va commencer à dire, ah, il ne voit pas nos problèmes. Il voit, Dieu sait qu'on a des problèmes ici bas. C'est pour cela qu'il demande qu'on recherche ce qui est en haut. Parce que ça recherche ce qui est en haut, que forcément ce qui est en bas va être sous nos pieds. Une personne qui recherche ce qui est élevé, automatiquement, si Dieu lui donne cela, ce qui est plus bas, il ne va même plus voir la nécessité d'avoir. C'est clair. Et c'est pour ça que Dieu nous exhorte à ce standard. Et on va voir cette parole également de l'apôtre Paul, qui nous exhorte nous tous. Il s'adresse aux Galates. Galates chapitre 4, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux Galates. Question de les encourager, question de les amener à ce stade de chrétien. Parce que comme je disais, un chrétien, c'est Christ. Sans la vie de Christ, on ne peut pas être des chrétiens. Galates chapitre 4, verset 19, un verset. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a un temps. Christ ne se forme pas en nous en deux jours, trois jours, une semaine, trois semaines. Il y a un temps. Jusqu'à ce que Christ... Et qu'est-ce qui montre, ou bien qu'est-ce qui témoigne que Christ est formé en chrétien? Qu'est-ce qui le témoigne? Ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Il n'y a personne qui va voir notre Seigneur Jésus-Christ en miniature dans le cœur de quelqu'un, bien dans le corps de quelqu'un, qu'on va dire que Christ est formé en lui. Ce sont les fruits qui témoignent que Christ est formé. Si les fruits sont encore les fruits de la terre, du péché, ça veut dire qu'il y a un problème. Christ n'est pas encore formé. Christ n'est pas encore formé chez ce genre de chrétiens. Parce que lorsque Christ est formé en nous, à un moment donné, on a la conscience du péché. En ayant cette conscience du péché, on s'efforce à plaire à Dieu. On s'efforce à demeurer ferme. C'est parce que Christ est formé en nous, la parole.
Un chrétien en qui Christ s'est formé, quand il veut pécher, quand il veut pécher, mais quand il est tenté, autant pour moi, quand ce chrétien est tenté, c'est la parole de Christ qui est formée en lui, là, qui résonne. La parole commence à résonner. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Il y a un verset qui va sortir. C'est parce que Christ est déjà formé. Ça, nous voyons un peu. Christ est déjà formé. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui est formé, formé un chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que quand il y a certains péchés, on me dit en fait, il y a péché, péché. Quand c'est un péché, ou quand tu examines, tu sens qu'il y a un problème avec la parole, avec Christ. Parce que on ne peut pas dire que nous sommes des véritables chrétiens et le Christ qui est formé en nous, qui est comme une alarme. Parce que en fait, quand on dit qu'elle est formée en nous, c'est une alarme. C'est-à-dire que quand il y a le péché, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et ce Christ qui est formé en nous, elle a pour but de nous conduire. Il a pour mission, tant pour moi. Il a pour mission de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Il a pour mission de nous empêcher de trébucher, de tomber. Et si Christ s'est formé en nous, on peut donc comprendre cette parole de Galates, chapitre 2, au verset 20, qui dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et normalement, c'est le standard que nous devons avoir. Si on n'a pas ce standard, c'est que notre vie n'est pas vraiment cachée en Christ. Si nous voyons un peu, c'est que notre vie n'est pas cachée. Ça veut dire qu'on a encore ce genre de disciples qui manquent de foi, ce genre de disciples qui suivent le Seigneur avec plein d'incrédulité. Or, un disciple qui est accompli dans la parole de Dieu et que Christ est formé en lui, il doit pouvoir expérimenter Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, ce n'est pas une parole qu'on peut confesser si Christ n'est pas vraiment formé en nous. Parce que la Bible dit ici que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que le chrétien à ce moment est mort. Si nous voyons un peu, il est mort. Et c'est à ce moment qu'on peut voir le chrétien. Est-ce que nous voyons un peu le chrétien? Parce qu'on ne voit plus telle personne. Est-ce que nous voyons un peu? On ne voit plus telle personne. On dit, mais est-ce que je vois encore Wilfried? Est-ce que je vois encore Martin? Est-ce que je vois encore Laurent? On ne voit plus telle personne, c'est Christ qu'on voit. C'est pour ça que ceux qui ont le discernement peuvent dire, ah, certainement, je vois un chrétien. Parce qu'il y a Christ. Parce que Christ s'est formé. Donc, en quelque sorte, plusieurs peuvent suivre le Seigneur, mais il y a encore ce problème de Christ qui est formé. Et comment est-ce que Christ se forme en nous? Ce n'est pas l'obéissance de sa parole. Ouais, ce n'est pas la magie. c'est pas l'obéissance. Le plus on est obéissant à la parole de Dieu, le plus on se soumet à cette parole, le plus, en fait, le Seigneur se forme en nous. Il va se former petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que, en fait, nous soyons parfaitement un. C'est pour ça que j'aime cette parole du Seigneur qui parle de parfaitement un. C'est dans Jean chapitre 17 qui est le vœu du Seigneur quand il s'adresse à Dieu. Il dit que qu'il soit parfaitement un comme nous sommes un. Dans parfaitement, il y a parfait. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas encore parfaitement un avec le Seigneur et Dieu. Nous ne sommes pas encore parfaitement un. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes parfaitement un? C'est lorsque notre volonté est à 100% la volonté de Dieu et la volonté de Christ. Voilà comment est-ce qu'on est parfaitement un. C'est à cause de la volonté. C'est-à-dire que si on arrive à un standard où notre volonté, c'est à 100% la volonté de Christ. Là, on peut parler d'une union parfaite.
si on a encore les préférences, si on veut encore des choses, on dit, ah, c'est vrai, la Bible dit ceci, mais moi, non, c'est que ce n'est pas parfaitement un. Parfaitement un, c'est que je n'ai plus de préférence. Je n'ai plus de volonté. Ah, Seigneur, c'est ce que tu veux. OK, que ta volonté soit faite. C'est pour ça que le Seigneur, avant d'aller sur la croix, il a dit que ta volonté soit faite. Il a montré que selon la chair, c'est vrai, il y avait la faiblesse. Il a prié. Il a prié à la montagne. Après, il a dit que ta volonté soit faite. Et nous savons que cette épreuve du Seigneur avant d'aller à la croix, c'était la finale. C'était la finale. Pourquoi est-ce que c'était la finale? Quand il dit que c'était la finale, c'est pour dire que c'était le sommet des sommets. C'était le sommet des sommets. Il n'a pas prié ça trois fois pour rien. Ce n'était pas pour rien. Pourquoi? Parce que, imaginons, un serviteur de Dieu qui a été élevé à la position de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y avait des foules qui suivaient le Seigneur. Le Seigneur ressuscitait les morts. Le Seigneur faisait des miracles qu'on n'a jamais qui avaient été prophétisés. En fait, Dieu a confirmé les prophéties à travers ces miracles. Aux yeux des hommes, lorsqu'il était encore sur la terre, il était élevé. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Notre Seigneur Jésus était élevé. C'est pour ça que les gens venaient à lui. Parce qu'il faisait des prodiges, faisait des miracles. Imaginons maintenant toute cette grandeur. Il a accepté de laisser ça pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Si c'était aujourd'hui, à l'aide de grâce aujourd'hui, si on demande à un chrétien, à certains chrétiens, mais plutôt des faux chrétiens, parce qu'un vrai chrétien ne va pas réfléchir. Certains chrétiens, soi-disant, d'abandonner la gloire de ce monde, ils vont dire non, ils ne peuvent pas. Le Seigneur a tout laissé. Tout, c'est-à-dire qu'il a tout laissé pour aller mourir sur la croix comme le dernier des minables. Si nous voyons un peu, quand le Seigneur a fait ce sacrifice, il voulait également nous enseigner sur le fait que si on veut être véritablement parfaitement un comme lui, si on veut aussi également qu'il se forme en nous, nous devons nous humilier. C'est pour ça que Philippiens chapitre 2 parle du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul parle du Seigneur Jésus-Christ en disant qu'il s'est humilié. Et en précisant jusqu'à la mort. C'est-à-dire, en s'humiliant, Dieu l'élevait. Parce qu'il faut qu'on comprenne le schéma. Il faut qu'on comprenne le schéma. La Bible dit ceci: Dieu fait grâce aux hommes et il méprise les orgueilleux. J'essaie de paraphraser le verset rapidement. Donc, à chaque fois que le Seigneur s'humiliait, Dieu l'élevait. Il s'humiliait, Dieu l'élevait. Il s'humiliait parce qu'il y a un schéma. Est-ce que nous voyons un peu? Il y a un schéma qui se suit bien, qui va de manière logique, je voulais dire, qui va de manière logique. Donc, à chaque fois que le Seigneur s'humilie, Dieu l'élève. Il s'humilie, Dieu l'élève. Et je crois que ce schéma, notre Seigneur Jésus-Christ a compris. Il a compris ce schéma, c'est pour ça qu'il a accepté. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs voient l'humiliation comme une honte. Est-ce que nous voyons un peu? Comme une honte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'accepter cette humiliation sur la croix, il était élevé. Quand il dit élevé, parce que par rapport aux hommes, par rapport à ce qu'il faisait, ce n'est pas pour rien qu'il y a un verset qui montre qu'on déposait les pailles, les gens ont jeté les pailles. Hosanna, c'est ce qu'il a dit, que s'ils se taisent, les pierres vont crier. C'est pour dire qu'il avait une place importante dans le cœur des gens. Mais, comprenons que le Seigneur n'a pas, entre guillemets, il a méprisé cette élévation même là, devant la volonté de Dieu, pour que Dieu l'élève encore. Est-ce que nous voyons un peu, nous voyons le schéma que tante vous l'a dit. Donc je vais aller un peu avec les chiffres. C'est-à-dire, une personne
qui se rabaisse niveau 1, Dieu le met au niveau 2. Il se rabaisse niveau 2, Dieu le met au niveau 3. Il se rabaisse niveau 4, Dieu le met à 5. On va voir qu'arriver à un certain niveau, ce n'est plus facile de dire que je me rabaisse. Est-ce que vous voyez un peu? C'est plus facile parce que, imaginez une personne qui est au niveau 10. Et quand on dit se rabaisser là, c'est que chaque fois, Dieu dit que tu tombes à zéro. Tu tombes à zéro. Tu tombes encore plus bas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire ici, Dieu dit, dernièrement, tu t'es agenouillé, tu étais à genoux. Je veux que, si tu m'aimes, roule-toi dans la boue cette fois-ci. Imaginons une personne qui a déjà une place importante parmi les hommes. Dieu dit, roule-toi dans la boue. Or, quand Dieu dit, roule-toi dans la boue, c'est parce qu'il sait qu'il a prévu niveau peut-être ça. C'est-à-dire que tu étais à 10, il a prévu ça. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a compris. En acceptant de se rouler dans la boue, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Selon Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Mais il a fallu qu'il s'humilie et il s'humilie. Voilà un grand secret. Il n'y a pas plus grand secret dans la parole de Dieu. En fait, pour que Dieu nous élève et pour que Christ soit formé en nous. Il n'y a pas plus grand secret autre que l'humilité. L'humilité, c'est l'une des grandes choses que le Seigneur a fait durant tout son ministère, jusqu'à la croix. Donc, si Dieu l'a élevé ainsi, et qu'on sait que Dieu ne fait exception de personne, c'est pour dire que même à notre niveau, on doit appliquer les mêmes choses. Parce que c'est nous qui avons besoin de la vie éternelle, c'est nous qui avons besoin d'être élevés. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu sa place. C'est pour ça que même dans l'Apocalypse, il dit, celui qui vaincra viendra s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, nous avons du chemin, nous avons des choses à mettre en pratique, mais sachant que nous devons marcher au niveau des disciples accomplis avec la discipline de Christ. Et c'est avec cette discipline, c'est avec ce Christ qui est formé en nous que justement on peut manifester les fruits et qu'on peut véritablement être appelé des chrétiens. Donc, je vais aller dans un dernier verset, Hébreux chapitre 11, non 5. On va comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul reproche. Qu'est-ce qu'il reproche aux Hébreux? Hébreux chapitre 5. Et comme il disait tantôt, le secret de toutes ces choses, c'est l'obéissance, l'humilité. Parce que souvent, quand on veut obéir à la parole de Dieu, on cogne souvent le front. Pourquoi? Parce que l'humilité. Je dis, ah, c'est moi qui va descendre à ce niveau. Mais si on pense à ce que Dieu a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ, ça pourra nous motiver. Dans Hébreux chapitre 11, non, 5, autant pour moi, frères et sœurs. 5, verset 11. Ce dernier verset. Nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture, d'une nourriture solide. Encore une fois de plus ici, un chrétien, c'est celui-là qui n'est plus au niveau du lait. Un chrétien n'est plus au niveau du lait. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir la véritable signification du mot chrétien. Et je ne parle pas de faux chrétien, parce que faux chrétien, ça c'est autre chose. Faux chrétien, ça c'est un autre domaine. Dans le domaine, on parle de l'état de disciples sans discipline, sans renouvellement d'intelligence, et on arrive à l'état d'un disciple accompli dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens. À ce moment qu'on peut dire, voilà un chrétien. Parce qu'on ne suit pas le maître juste pour suivre, on ne suit plus le maître juste pour les bonbons, on ne suit plus le maître pour les miracles,
Mais on suit le maître parce qu'il a les paroles de la vie. Nous voyons un peu. Et pourquoi est-ce que à ce moment, parce qu'en fait, quand on reconnaît des choses grandes ainsi, ça, c'est, quand nous reconnaissons les grandes choses telles que les paroles de la vie éternelle, on peut tenir ferme. À savoir, si le pain manque, c'est pour la gloire de Dieu. Si le bonbon manque, c'est pour la gloire de Dieu. La chose qui ne doit jamais manquer chez un chrétien, c'est le sel. Si nous voyons un peu, c'est le sel. Les choses telles que le sel, l'huile, c'est des choses d'une très grande importance qui ne doit jamais manquer chez un chrétien. Le sel et l'huile. Il peut manquer du bonbon, il peut manquer du chocolat, il peut manquer des shawarma ou des quoi, mais il ne doit pas manquer du sel, ni de l'huile ou de l'eau. Voilà des choses qu'ils doivent avoir en abondance. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice quand il est encore un enfant. Non, quand il est un enfant. Alors, c'est quoi l'expérience de la parole de justice? On ne peut pas avoir l'expérience de la parole de justice sans avoir eu à obéir à la parole de Dieu, sans avoir eu à mettre en pratique la parole de Dieu, sans avoir eu à s'humilier pour le faire. Parce que, qu'est-ce qui se passe, comme je disais tantôt, quand on s'humilie, niveau 1, Dieu nous fait passer au niveau 2. Et quand on va arriver au niveau 10, on aura une certaine expérience, parce qu'on va dire, j'étais au niveau 1 hier, me voilà au niveau 10. Donc, quand j'ai une épreuve qui me fait passer au niveau supérieur, je dois me souvenir que je ne suis pas arrivé au niveau 10 d'un trait, ou bien je ne suis pas né de nouveau et Dieu m'a mis directement au niveau 10. Mais Dieu, il a permis que je puisse passer par des épreuves. Et en passant par ces épreuves et en restant humble selon la volonté de Dieu, Dieu m'a fait graver des échelons. Et notons que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est vrai qu'il peut arriver des fois où on peut être troublé, on ne comprend pas ce que Dieu veut faire dans nos vies, mais nous devons toujours nous garder en tête ceci, que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. On doit tout garder cela en tête. Il dit, mais qu'on peut arriver à des niveaux où on est tribulé, on ne sait même pas. On ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Mais la seule chose qu'il faut dire, c'est que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, même si je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, mais tout ce que je sais, c'est que toute chose concourra à mon bien. Si nous voyons un peu. Voilà un peu des versets comme ça que nous voyons dans la parole de Dieu qui sont là pour nous consoler et pour nous empêcher de pécher contre Dieu. Parce que les murmures, c'est le péché. Quand un chrétien murmure, il est en train de pécher contre Dieu. Et quand il est en train de pécher contre Dieu, c'est l'épreuve qui est en train d'être ratée. Si nous voyons un peu. Nous devons obéir sans murmure. Donc, pour éviter de murmurer, on doit tout simplement confesser que, Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas ce qui se passe. Surtout, je précise bien, surtout lorsqu'on est intègre dans la parole de Dieu et qu'on s'est examiné autant pour moi, avec les Écritures, on a trouvé que bon, Seigneur, je me suis examiné, je ne vois pas quelque chose qui a pu ouvrir une quelconque porte. Si nous voyons un peu, je me suis examiné, voilà. Et nous devons être sincères avec Dieu. Nous partons des chrétiens là qui pensent être malins ou bien rusés avec Dieu. On doit vraiment s'examiner. Et nous devons savoir que le péché, c'est la seule chose qui nous sépare avec Dieu. Donc, on ne doit pas se mettre à jouer avec ce genre de choses. On est dans une situation de péché et que nous savons que Dieu n'aime pas telle chose. Ne cherchons même pas de midi à 14 heures à vouloir avancer ou à vouloir faire quoi que ce soit, parce qu'on sera bloqué. On sera bloqué et c'est automatique. Ça, nous voyons un peu. Et ce blocage, même là, c'est même une bonne chose. Et moi, ça fait même partie des prières que moi, j'avais déjà érigées avec Dieu. Au lieu de me laisser
entre guillemets, prospérer selon les hommes pour aller mourir dans un ravin, autant mieux tout s'arrête. Donc, Dieu peut permettre ça. Et moi, j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois, ce que je suis en train de dire. Quand je ressens certains blocages, je m'arrête, je m'examine. Je dis, mais c'est tellement quelque chose qui ne va pas. Je commence à examiner, jusqu'à ce que Dieu me conduit à la réponse. Donc, c'est pour dire que il peut arriver qu'il y ait des situations ainsi, qu'il faut s'examiner et voir ce qui ne va pas. Mais il peut aussi également arriver où on s'examine, on ne voit rien, mais il y a l'épreuve. OK, gloire à Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, ça devient le cas de Job. Parce que quand on voit le cas de Job, il n'avait pas de péché. Voyons un peu, Job n'avait rien fait qui méritait la situation. Mais Dieu a bien voulu qu'il passe par là afin d'avoir le témoignage de la parole de Dieu. Verset 14. Ça qu'on appelle l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire que nous avons une foi, ce que j'appelle une foi expérimentale. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi expérimentale. C'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par foi expérimentale? C'est que nous avons été butés à des situations et Dieu nous a conduits vers la réponse, vers la solution. C'est-à-dire un chrétien qui est arrivé à un certain niveau, il a eu, admettons, il a eu un blocage immense, il a eu telle situation, il ne savait pas ce qui se passait, il a crié à Dieu et Dieu lui a dit, mon fils, ma fille, va faire telle chose. Et il a mis en pratique la parole de Dieu et la situation s'est décantée. Et ça donne une expérience. Et cette expérience, ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que demain, quand cette personne-là sera devant une autre personne, tu vois le même problème, il va dire, ah, tiens, je me souviens que j'étais dans telle situation. Dieu m'a conduit ici, Dieu m'a conduit là-bas et j'ai eu la solution. Et voilà, avec cette expérience, bien c'est l'expérience de la parole de justice, ça peut aussi également aider une autre personne parce que si Dieu nous a donné une solution à un problème donné, ce n'est pas seulement pour nous parce qu'il peut y avoir une autre personne demain qui a le même problème. On va dire à la personne, mon frère, ma soeur, c'est vrai, je comprends ta difficulté. Moi aussi, j'étais dans la même épreuve que toi. Moi, pour résoudre mon problème, je n'ai pas eu recours à l'adultère. Je n'ai pas eu recours à la fornication. J'ai seulement persévéré jusqu'à la fin. J'ai continué à remettre tout entre les mains du Seigneur. J'ai continué à prier pour mes ennemis. Et voilà que Dieu m'a exaucé. Est-ce que nous voyons un peu l'expérience de la parole de justice? Et c'est ça que nous devons avoir dans nos cœurs, dans nos vies. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous voyons des chrétiens qui ont encore un problème de discernement, ça veut dire qu'on a la réponse. Lorsqu'on est un homme, un chrétien, comme je disais tantôt, un disciple accompli dans la parole de Dieu, on peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a plusieurs qui ne peuvent pas discerner. Telle chose, c'est bien, ah, je ne sais pas. C'est mal, je ne sais pas. C'est clair, il y a un problème. Parce que nous voyons un peu, il y a un problème parce que un disciple que Christ s'est véritablement formé en lui, et il y a cet exemple qui me vient à l'esprit à l'instant T, quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le temple, il a trouvé les vendeurs de pigeons, les vendeurs de chèvres. Il a trouvé tout genre de marchands dans le temple. Le Seigneur pouvait raisonner. Le Seigneur pouvait dire, oh, je comprends le problème. C'est vrai, Dieu a horreur de ça, mais je peux comprendre leur problème parce qu'ils ont les enfants envoyés à l'école. Ils ont des familles à nourrir. Si je renverse les tables, vraiment, ils ne vont pas avoir de quoi manger le lendemain. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pouvait raisonner de toutes les façons. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ça, en fait, un homme, c'est que la parole de Dieu nous dit. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Un homme avec Christ formé en lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait?
Il arrive devant une situation où il faut mettre en pratique Éphésiens chapitre 5, verset 11. Il ne va pas raisonner. Si nous voyons un peu. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Voilà ce qu'un homme fait, qui est, dont le jugement exercé fera. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui ont peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Que je juge? Que j'ai fait ceci? Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'expérience de la parole de justice. Il y a un problème avec Christ qui doit être formé en ce chrétien. Ça veut dire que Christ n'est pas encore formé. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le zèle de ta maison me dévore. Donc, ça veut dire qu'en renversant cette table, il était animé d'un zèle qui venait de la part de Dieu. C'était le zèle de Dieu qui le dévorait. C'est le zèle de Dieu qui l'amena à renverser ces choses. Est-ce que nous voyons un peu? Il était zélé pour le bien. Aujourd'hui, si un chrétien qui fait pareil aujourd'hui, on va le taxer. C'est lui qui deviendra le plus grand sataniste. On va dire, vraiment, tu as renversé l'étalage d'une femme. Voilà toutes ces années de... Voilà au moins 15 ans de capital que tu viens de renverser. Tu ne t'es même pas soucié que ces enfants vont manger quoi. Ça nous voyons un peu. Comme il y a plusieurs, quand ils sont dans des situations comme ça, ils pensent directement à la chair. Plusieurs ne vont pas penser aux intérêts de Dieu. Plusieurs ne pensent pas aux intérêts de Dieu. Vous voyez un peu. Allons un peu dans Jean chapitre 2. Je vais terminer ce dernier verset. Pour terminer avec les hommes qui sont faits, les hommes dont le jugement est exercé. Je crois que c'est dans le livre de Jean. Que notre jugement doit être pleinement exercé. Verset 17. Verset 17, c'est ça qu'il disait tantôt, c'était « Ses disciples se souvint qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Voici le zèle qui animait notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans tout acte que nous posons, il y a toujours un esprit. Et si un chrétien pose cet acte aujourd'hui, on va dire qu'il est méchant, il est possédé par Satan pour le faire. Et à partir du verset 15, on voit comment est-ce qu'il a fait le fouet avec les cordes, il a chassé tout le monde du temple, renversé la monnaie des échangeurs, renversé les tables. Et il a dit aux vendeurs, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et c'est ça, lorsque la parole de Dieu, lorsque Christ est formé en nous, nous défendons uniquement les intérêts de Dieu et non nos intérêts personnels ou les intérêts de qui que ce soit. Parce que souvent, quand nous sommes devant les situations, si on veut vraiment agir comme Dieu le demande, on doit tous se poser la question de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est ça qui va nous guider vers le bon chemin. Parce que nous devons toujours défendre les intérêts de Dieu. Je peux être dans une situation et l'intérêt de Dieu me demande de renverser spirituellement parlant telle ou telle situation. Je ne peux pas raisonner en disant que il a emprunté l'argent dans les réunions pour construire cet hôtel. Mais Dieu me demande de renverser cela spirituellement parlant. Donc même s'il a emprunté l'argent dans les réunions pour construire un hôtel diabolique, Dieu me demande de renverser cela. Et ça faisait même partie des instructions que Dieu donnait à son peuple dans l'ancienne alliance. Et quand Dieu devait amener son peuple dans un pays, il ne devait pas arriver là-bas, faire comme les gens de ce pays. Il devait renverser les hôtels, briser les statues. Et nous le faisons spirituellement parlant. Donc voilà. En quelque sorte, voilà en gros le thème d'aujourd'hui, la signification du mot chrétien et ce que nous sommes appelés à faire pour être des véritables chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit on est des faux chrétiens, soit on est des vrais chrétiens. Et le vrai chrétien, il a un cursus à suivre, il a une procédure. Au départ, on a des lacunes, comme on a vu avec les disciples. Intelligence encore vite. C'est pour ça que le Seigneur était là. Il les supportait.
Seigneur les supportait, les donnait la parole. Mais après un moment donné, Christ doit être formé en nous. Comme l'apôtre Paul le dit dans Galates, chapitre 4, verset 19. Que je soupire, que l'apôtre Paul soupirait après eux, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Donc, là doit être notre volonté, la volonté de tout chrétien d'avoir vraiment Christ formé en lui. Parce que si Christ est formé en nous, alors on est sûr qu'on n'a plus de volonté, on n'a plus de vie, et notre opinion, notre volonté ne compte plus. Rien que la volonté de Dieu et la volonté de Christ. Donc, soyons encore une fois de plus bénis pour cet enseignement et que Dieu nous donne chaque jour, et comme dixième fois de plus, de nous humilier afin que Dieu nous élève et que Christ soit formé chaque jour en nous par l'obéissance à sa parole. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses.